Temple Cœur pour le Niger. On pompe le cœur, 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 pompe le cœur. J'ai dit pompe le cœur, j'ai dit pompe le cœur, pompe le cœur, pompe, 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 pompe le cœur. Pompe, pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur, on pompe le cœur pour le Niger. Pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, pompe, 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 pompe. On pompe le cœur pour le Niger. Pomper, j'ai dit pomper le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. On pompe le cœur. Je dis, on pompe le cœur. Pour qui? Faut mettre en commentaire, on pompe le cœur. Pour qui? Pour le Niger. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Herman le patriote, on va te poser le studio d'enregistrement. Et puis, on va avancer. Django sera souffert. La France est en train de perdre l'Afrique. C'est ça qui est doux dans l'affaire là même. La France est en train de perdre l'Afrique. C'est ça, c'est le vrai point. Le vrai combat là, c'est ça. La France est en train de perdre l'Afrique. Mais à une vitesse vertigineuse. Vous connaissez vertigineuse, ça donne vertige. Herman le patriote. Chers camarades, merci, merci. Merci d'être là. On va se positionner. Est-ce que la lumière ne vous gêne pas trop? C'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Parce qu'il faut que je sois clairement dans la vidéo. Voilà. On pompe le cœur. Voilà. Comme ça, c'est bon, non? Il faut que ça soit digital. Parce que c'est des ministres qui regardent maintenant. Hein. C'est plus du jeu. Hein. Voilà. Il y a un doyen qui m'a contacté depuis le Mali. Il dit qu'il est ministre. Il n'a pas dit ancien ministre. Il a dit ministre. D'accord. Restez là sur moi. Négligez-nous. Côte d'Ivoire, vous nous négligez. Dans mon propre pays, on dit que non, il est comme ça. L'homme fait son combat patriotique, on combat les rebelles, on dit non, tu n'aimes pas les musulmans. Moi, je n'aime pas les musulmans. Et puis, je suis sur le point même de rentrer dans un vrai truc avec une fille musulmane. Je n'aime pas les musulmans, mais je défends le Niger. En tant que le Niger est un pays musulman. Mais soyons sérieux. On attend de faire le combat. Voilà. Et dans mon pays, c'est les gens du Nord qui ont pris les armes pour tuer les gens. Ça n'est pas dit qu'on n'aime pas les musulmans. Donc, restez avec votre drama Ouattara. Nous, on va combattre ici, pour le moment, on va combattre avec, aux côtés des Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, on pompe le cœur pour le Niger. Oh, oh, on pompe le cœur. Je ne vois pas le cœur. On pompe le cœur. Je vais voir le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, on pompe le cœur. Pompe le cœur. Pompe le cœur. Oh, pompe le cœur. D'ici à ce que je lève la tête, pompe le cœur. Alors, merci pour ceux qui mettent le cœur. C'est moi qui ai envoyé mon style. Hein. Si quelqu'un a volé ça, tu as problème avec moi, droit d'auteur. C'est moi qui ai envoyé mon style. On pompe le cœur. Pomper, pomper, pomper. Oh, pour l'Afrique. Oh, pour le Niger. Oh. Chers camarades, est-ce que vous voulez les derniers développements? Les dernières évaluations? Les dernières évolutions du Niger. Je salue tous mes espions partout en Afrique. Je salue tous les dignitaires qui nous écrivent. Je dis, je reçois mail jusqu'à... On me dit, il n'y a plus place. On dit de supprimer les anciens mails. Adama. Je vais enlever mail là sur la page. Je vais mettre WhatsApp. Comme ça, je pense que c'est encore mieux. Parce que mail, on me dit mon mail est rempli. En tant que mail, là, c'est connecté à mon établissement, l'école, tout ça. Donc, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je vais mettre mon WhatsApp pour tous les Africains. Voilà, il y aura des mauvais Africains qui vont venir me menacer. Ce n'est pas grave. Mais je vais mettre mon WhatsApp pour tous les Africains. Comme ça, tu peux me laisser ton audio. Ou bien, tu peux essayer de demander donc un appel téléphonique avec moi. Et on va parler. D'après mon professeur de français, il dit on ne dit pas parler, on dit parler. Voilà, on va parler le français, le français. Django sera souffert. On va d'abord traduire tout ce que nous avons posté en vidéo, puisque les gens n'aiment pas les posts et certaines personnes ne lisent pas les posts.
Ils n'aiment pas la lecture. Certaines personnes n'aiment pas la lecture. Elles n'aiment pas la lecture. Donc, on va traduire d'abord tout ce que nous avons dit. On a 5 partages. Ce n'est pas joli. Nous sommes presque à 200 personnes. Nous avons 5 partages. Ce n'est pas joli. Rendez mignon le direct. Rendez mignon le combat. Comme ça, quand un Français tombe sur le direct, lui-même, il est étonné. Il dit, mais waouh, les Africains sont décidés. Hein? Ils veulent vraiment nous abandonner. Hein? Ils veulent nous interdire l'uranium. Hein? Ils ne veulent plus qu'on vole leur or du Sahel. Vous n'avez rien vu encore. Il vous reste 2 pays maintenant. 2 pays seulement au Sahel, et puis c'est bouclé. Et puis après, maintenant, Côte d'Ivoire, là, ça, on va voir. Comme les militaires ivoiriens, ils sont plocotors, ils sont moins, ils sont peureux. Ils sont là, et ils pensent que c'est les militaires du CNSP là, qui vont aller les délivrer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est les militaires du Mali qui vont aller vous délivrer en Côte d'Ivoire. Restez là seulement. Hein. Dormez. Les autres avancent. Vous dormez. Le combat patriotique, il avance. Et même si nous, on est ivoiriens, on va soutenir ceux qui avancent. Voilà, le jour où vous allez vous décider, on va voir ce que ça va donner. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez le direct mignon avec des partages, des cœurs, des étoiles, tout ce que vous pouvez faire, chers camarades. Le combat, il continue. 8 partages. Je suis toujours restreint, je ne peux pas partager moi-même. On m'a restreint encore. Je ne sais pas pourquoi les gens me détestent. Facebook n'aime pas mon affaire. On m'a restreint parce que je partage trop. Donc, je ne peux pas partager encore. Donc, partagez, rendez le direct mignon, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont mis de cœur sur le drapeau que j'ai changé. Voilà, quand vous partez sur mon mur, vous allez voir le drapeau qui est en haut de ma page. Tout à fait en haut. Voilà, le drapeau, il est comme ça. Donc, merci, j'ai changé mes 2 photos. Merci à toutes les personnes qui ont pu liker cela. S'il y a une personne qui a cette même photo-là du Niger, mais à très haute définition, il faut me l'envoyer, je vais changer pour YouTube. Parce que j'ai essayé de changer pour YouTube. Pour YouTube, on dit la photo est petite. J'ai téléchargé plein, on dit les photos sont petites. Si vous avez 4K, ou bien haute définition du drapeau nigérien, balancez-moi ça, je vais changer pour YouTube là. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, merci aux centaines de personnes, aux 100 personnes. Si je vois 115 personnes, ça fait une heure que j'ai changé. Pour ceux qui n'ont pas mis les likes après le direct, allez-y augmenter le like en bas du drapeau pour démontrer aux ennemis de l'Afrique et aux pauvres grattés qui sont en France là-bas que nous sommes sérieux dans le combat. Nous sommes très sérieux dans le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, chers camarades, merci, merci à ceux qui mettent les partages. Je vois 21 partages. Je sais qu'après, on va voir peut-être 1000 ou 800 partages. Merci à tous ceux qui partagent, qui regardent en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Et merci à ceux qui pompent le cœur. Pompent le cœur, pompent le cœur. Ce n'est pas un ordre, hein, mais quand même, pompent le cœur. À pomper, à pomper, à pomper. Vous voyez, ça monte, non? À pomper. Ah non, c'est trop doux. C'est trop doux quand tu es dans le bon combat. C'est doux. Chers camarades, il y a des Africains que j'appelle les ennemis de l'Afrique au Niger qui ont signé un décret secret. Un décret secret. Mais ce n'est pas resté secret longtemps parce que même les nouvelles autorités ont même fait un communiqué là-dessus. Le communiqué numéro 14, si je ne me trompe pas. Ils ont parlé de ça, le décret secret. Ils ont signé un décret avec le chef de l'armée français au Niger, puisqu'il y a plus de 1500 éléments français au Niger, avec des hélicoptères de pointe, des chars et tout ce que vous voulez. Vous savez que le Niger a abrité l'armée française qu'on a chassée de l'autre côté, on est au courant. N'oubliez pas, hein, la traçabilité de notre histoire. Alors comme ils savent que les nouvelles autorités sont pro-russes et que la population nigérienne est pro-russe, il faut enlever rapidement le général Tiani Abdourahmane et son équipe au sein du CNSP pour que Bazoum reprenne le pouvoir. Parce qu'ils savent que si ces gens sont au pouvoir et que ça fait 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois, l'armée française va commencer à plier ses bagages. Peut-être qu'ils vont partir remplir en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de peut-être que 10 000 éléments. Ils vont aller remplir encore en Côte d'Ivoire, chers camarades. Et donc, vous avez vu Macron qui a fait sa sortie, il était tout énervé. Parce qu'il sait que s'il perd encore le Niger, ça va devenir un seul pays. Un seul pays qui va abriter l'armée française dans le Sahel. Or, le Sahel est une position stratégique concernant l'Afrique. Ils ne veulent pas que la Russie se positionne à leur place. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est officiel. L'état-major de l'armée française depuis Paris-Élysée, en accord avec le colonel-major, dont j'oublie le nom,
qui est au Niger, qui représente donc l'état-major français au Niger, sont déjà au courant et se préparent à faire une frappe préventive sur la présidence du Niger. Parce que deux individus, maudits individus africains, qui ont la peau noire et qui demandent aux Blancs de venir nous bombarder. C'est pourquoi l'Afrique n'est pas respectée. Voici les individus. Pour des intérêts personnels, ils sont prêts à vendre leur présidence. Parce que quand on bombarde le palais présidentiel, on le déshonore et on le vend. Ils sont prêts à faire tuer leur frère de corps d'âme. Lui-là, c'est pas un civil. Ils sont prêts à ce que plusieurs civils meurent au Niger. Parce que lorsque la France va venir bombarder, le peuple de Niger va vouloir sortir. Et beaucoup vont mourir. D'ailleurs même, la France a commencé à tirer sur le peuple du Niger. On va y venir, on va y arriver tout à l'heure, chers camarades. Alors, je vais vous donner l'identité de ces deux éléments pour ceux qui ne les connaissent pas. Chers camarades. Lui qui est en bas, c'est un ancien premier ministre. Pardon, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Massoud. Et lui qui est en haut, qui avait porté le béret rouge, c'est le commandant des forces de la garde nationale. Il s'appelle Medou Djeri. Ces deux individus, chers camarades, ont tenu une réunion très secrète avec la France et ont signé un document secret qui permet donc à la France, de manière légale d'après eux, puisqu'ils ne reconnaissent pas les nouvelles autorités, donc ça veut dire que les autorités légales donc, du Niger donnent ordre, donnent autorisation pardon, à l'armée française de faire survoler leurs Mi-24 ou bien leurs avions de chasse pour une frappe préventive sur le palais présidentiel. Alors, les nouvelles autorités sont déjà au courant. Vous devez savoir cela. On va passer rapidement, on n'a pas le temps. Une autre chose que j'aimerais donner dans les divers, ça c'est les divers. Tout à l'heure, on va framponner. Merci de mettre des cœurs et de partager. Merci, vous êtes 600 personnes actuellement. Merci beaucoup, chers camarades. Vous avez vu que la France a suspendu son aide. Les États-Unis ont suspendu leurs aides et d'autres pays encore ont suspendu leurs aides. Et hier, on a vu que la Belgique refuse de suspendre l'aide. Donc la Belgique dit qu'elle va continuer à soutenir donc les nouvelles autorités du Niger parce qu'elle reconnaît les nouvelles autorités du Niger. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le général Tiani Abdourahmane a il a suspendu aussi l'envoi de l'uranium, puisque le Niger est connu en Afrique en tant que le pays riche en uranium et en l'or. Et c'est pourquoi la France est énervée, parce que la France n'est pas satisfaite de tout l'or qu'elle a. Est-ce que vous savez que la France est peut-être le deuxième ou le troisième pays orné au monde? On va le dire comme ça. Ils ont plus d'or que toute l'Afrique de l'Ouest réunie. Mais il n'y a pas désert chez eux. Il n'y a pas sable en tant que tel. C'est la neige qui va les déjà. Ils viennent pour voler l'or du Mali, voler l'or du Niger. Ils entretiennent les terroristes pour distraire donc les autorités et ils volent. Alors, le Niger a donc suspendu, avec effet immédiat la livraison de l'uranium, de l'or vers la France. Et ça s'est passé hier dimanche, le 30. Cela fait suite aux multiples ingérences perpétrées par les autorités françaises depuis le coup d'état populaire fait par le général donc Tiani. Désormais, un vent de retour à l'authenticité et à la marche vers la réelle indépendance, ce vent souffle désormais sur l'Afrique de l'Ouest. Chers camarades, donc vous devez savoir aussi que le général Tiani et les autorités nigériennes ont décidé de ne plus envoyer leur or à la France jusqu'à peut-être un nouvel ordre. Et je pense que c'est pour toujours. Alors la France est très énervée. Et je vous assure, ils ont commencé à tirer sur la population nigérienne. Tirer dans les pieds, tirer de par-ci par-là. Ils ont commencé à ouvrir le feu sur le peuple nigérien. J'ai vu quelques Nigériens qui ont été blessés par balles réelles. Et quand ils vont vouloir bombarder le palais présidentiel,
s'ils pensent qu'ils peuvent le faire. Ils vont dire que non, c'est légalement, on a bombardé. Parce que le général, donc, comment il s'appelle là, il faut mettre les noms. Voilà. Le commandant des forces de la garde nationale du Niger et donc le ministre des Affaires étrangères nous ont donné la permission de bombarder. Donc, on va bombarder. Voici ce qu'ils veulent faire au Niger. Peuple du Niger, ne permettez pas à la France d'en arriver là. Remplissez les rues. C'est eux qui parlent des droits de l'homme, non? On va voir s'ils vont pouvoir tirer sur vous. Parce que chez nous, les gens sont sortis pour protéger le président qui était là. Parce que la France... Vous devez comprendre, chers camarades, c'est tellement clair. Si la France est avec toi, c'est que tu es l'ennemi de l'Afrique. Si vous avez compris ça, je pense que le combat, il peut évoluer. Alors, comme le dit Mme Pelagie, oui, exactement. C'est de l'intimidation. C'est pourquoi je dis aux gens, ne permettez pas que la France en arrive là. Parce que si vous êtes intimidé, que vous ne sortez pas, et que les nouvelles autorités aussi essaient d'avoir peur, ils vont vraiment bombarder. Donc, lorsque l'information est devenue publique et internationale, ils sont en train de voir maintenant vos réactions, vos gesticulations, vos propos, vos positions, pour pouvoir eux aussi se positionner pour la frappe préventive. Donc c'est maintenant que vous devez remplir vraiment les rues. C'est maintenant que vous devez être vraiment mobilisé. Et ce que je sais, pour le peuple nigérien, je n'ai pas encore vu, on m'a pas encore dit que le peuple est encore ressorti, mais pour les autorités, ils sont rentrés en action très tôt. Parce qu'on leur a donné une semaine. Alors une semaine, c'est long, mais c'est pas trop long pour ce genre de tâches à remplir. Alors on va arriver tout à l'heure. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être que d'autres sont au courant, mais les gens viennent s'informer sur notre page et nous en sommes très fiers. Nous sommes presque à 700 personnes pompées les cœurs. Pompées, à pomper, à pomper, pomper, pomper. Aïe, pomper, 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 aïe, pomper, pomper. J'ai dit pomper les cœurs. J'ai dit pomper les cœurs. C'est moi qui ai dit de pomper, pomper, pomper. C'est gratuit. On est à 700, c'est 700 que je voulais pour arrêter le chant. Le chant de la gloire, le chant du combat patriotique. Pomper les cœurs. Ah, pompe. Il y a une dame qui m'a dit, non, mon petit, le chant là me plaît trop. On va rentrer dans le studio. Voilà les choses que vous devez prendre pour faire buzz. On devrait trembler, trembler. Ça nous envoyer où? Pomper les cœurs pour le combat. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit pomper les cœurs. On s'en fout de trembler, trembler. On a trop fait des buzz bizarres. Ça nous en est rien arrivé. En Côte d'Ivoire, il y a un salopard, il y avait un savon dans son oreille. Ils ont fait buzz jusqu'à ça n'a rien changé sur l'Afrique. On dit à Poutou, ils ont fait buzz jusqu'à ça n'a rien changé sur l'Afrique. Les trous bizarres comme ça, là, on n'est plus dedans. Congélateurs, les trous bizarres. Maintenant, on est dans le vrai combat, chers camarades. On est dans le vrai combat. Voilà. Tous les buzz sont morts dorénavant. Tous les buzz que les gens vont faire pour qu'on puisse être préoccupé par les buzz. On n'est pas dans les buzz. On est dans le combat patriotique. L'Afrique veut s'arracher des griffes de la France. On est fatigué du colon. C'est ça le vrai point. On est fatigué. On est warm. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Chers camarades, c'est ça qui est la vérité. Alors, il y a un prophète malien qui avait prévenu les États marionnettes qui aiment danser lorsque les impérialistes lancent les ficelles. Ce prophète-là avait prévenu, on va le suivre à l'été. On va le suivre tout à l'heure, chers camarades. Voilà. On va le suivre, ça fait 1 minute 40, 46 secondes. On va suivre ce prophète-là, s'il vous plaît, très rapidement. Mais je ne vais pas montrer les images. Je vais montrer un peu seulement. Partira de là les chefs d'État de la CEDEAO. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Si vous n'arrêtez pas, Wallahi Billahi, les armées africaines dignes d'être africaines vont s'assumer et vous déposer. Voilà. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. C'est un prophète malien, musulman, qui avait dit ça. Actuellement, tous ceux-là étaient encore au pouvoir. Et tous, autant, même au Burkina, partout, ils étaient encore au pouvoir. Il dit ce rassemblement que vous voyez là, parce que là, c'était au Mali. Le combat se débutait au Mali. Ce rassemblement que vous voyez, c'est un ultimatum au chef d'État marionnette. Si vous ne faites pas une politique pour l'Afrique, vous ne défendez pas l'Afrique, c'est son armée, c'est l'armée de ces pays-là qui vont prendre les responsabilités. Ils vont vous prendre pour vous déposer à côté et nous, on va avancer.
C'est ce qu'il a dit. On va recommencer la partie, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Oui. Les chefs d'État de la CEDEAO, aujourd'hui, ils doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Si vous n'arrêtez pas, Wallahi billahi, billahi, les armées africaines, dignes d'être africaines, vous assumez et vous déposez. Merci. Les armées africaines dignes d'être africaines, pas comme l'armée de Côte d'Ivoire, les armées africaines dignes d'être africaines vont vous prendre, ils vont s'assumer et vous déposer. Ils vont faire quoi? Ils vont s'assumer et vous déposer. Hier, on a lu donc Feu, l'ancien président du Ghana, qui l'avait dit. Il dit, lorsque un peuple est mal dirigé par ses dirigeants, et que ce dirigeant prend donc la justice pour réellement donc mettre les gens en prison, prend l'armée pour fatiguer les gens, le dernier recours, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. C'est ce que le prophète disait ici. On va bien réécouter la partie là. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Oui. Si vous n'arrêtez pas, Wallahi billahi, les armées africaines, dignes d'être africaines, vont s'assumer et vous déposer. Ils vont s'assumer et vont vous déposer. Ça, je l'ai dit. Et ils n'ont pas entendu ça. Ils sont en train de mourir. Oui. Ils sont en train de mourir gravement à cause des mauvaises politiques. Oui. À cause des mauvaises politiques, des mauvaises conventions. Oui. Ils sont beaucoup morts au Mali. Ils continuent de mourir au Burkina Faso. Nos militaires continuent de mourir au Niger. Ils continuent de mourir au Cameroun. Vous voyez, les trois premiers pays qu'il a cités là, ça s'est réalisé. Puisqu'actuellement là, ce n'était pas encore réalisé. Hein. Il dit à cause de votre mauvaise gouvernance. À cause de votre mauvaise convention, c'est-à-dire les mauvais décrets que les gens signent avec les colons là. Nos militaires meurent, les terroristes les tuent banzan, parce que les États là, les chefs d'État là, ils savent exactement ce qui se passe. Hein. Ils savent que c'est la France même qui est derrière à faire des terroristes là. Mais quand même, ils font croire au peuple que non, les terroristes sont là, donc on a qu'à laisser les Français venir. Et les Français viennent avec les caterpillars. Quelqu'un qui va le combat terroriste, il fait quoi avec caterpillars dans le Sahel? Mais on a vu ça au Mali. On a vu ça au Mali. Des militaires français qui sont au Sahel avec des caterpillars. C'est-à-dire des caterpillars piqueuses. Des caterpillars qui creusent les longs trous là. Ils viennent avec ça. Des caterpillars. Pour extraire de l'or. Et pendant ce temps, nos militaires, se croyant faire un bon combat, ils vont mourir dans la mer de ces gens-là. C'est ce que le prophète dit. Il dit les gens meurent. Les militaires meurent. Il a cité trois pays. Les trois pays qu'il a cités là. Aujourd'hui là, ça s'est réalisé. On va recommencer un peu la partie là. Il faut que les gens comprennent très bien. À cause des mauvaises politiques. Oui. Des mauvaises conventions. Ce qu'on appelle mauvaise politique, mauvaise convention, c'est nos chefs d'État là qui signent des choses avec la France pour que les gens viennent avec les armées. C'est une mauvaise convention, c'est une mauvaise politique. Si on est indépendant, on n'a pas besoin de l'armée de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à cause de votre mauvaise convention, votre mauvaise politique, qu'est-ce qui se passe? À cause des mauvaises politiques. Oui. Des mauvaises conventions. Ils sont beaucoup morts au Mali. Ils continuent de mourir au Burkina Faso. Deuxième pays. Nos militaires continuent de mourir au Niger. Troisième pays. Ils continuent de mourir au Cameroun. Quatrième pays. Ils continuent de mourir au Tchad. J'appelle les armées africaines. Vous êtes fils dignes de l'Afrique. Oui. Assumez-vous et libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne fait que commencer, chers camarades. Ça ne fait que commencer. Les armées africaines vont continuer. Les armées africaines vont continuer. Est-ce que vous savez? Mettez le cœur. Aïe, mettez. Pompez. Merci beaucoup, chers camarades. Merci de soutenir le combat. Attends, je vais voir avec moi des partages. Partagez le live, s'il vous plaît. On n'est pas nombreux. Voilà, on a 50 partages. C'est pas bon. Hein? Nous étions presque à 800 personnes tout à l'heure. Mais on est à 50 partages. Hein? Là, je vois 700 et quelques. Nous sommes à 50 partages, c'est pas joli. Hein? Partagez le live, s'il vous plaît. 50 partages, vraiment, c'est pas joli pour le nombre que je vois. Et pompez les cœurs. Pompez. Chers camarades, le combat, il continue. J'ai dit, le combat, il est très tôt, hein? C'est maintenant même, j'ai commencé à 7h du matin.
ici. Donc il est très tôt, même chez vous il est encore peut-être un peu très tôt. Mais on a trop de choses à faire aujourd'hui parce que je vais parler, mais il y a parlé du Sénégal, il y a soutenu un peu le Sénégal encore après. Donc vous avez, on a écouté tous le prophète, chers camarades. Donc pourquoi je montre le prophète malien et pourquoi je suis à ce niveau? C'est pour dire aux gens que ce qui arrive avait déjà été prédit. Ce qui arrive actuellement là, les Africains ont déjà vu ça. Les voyants ont déjà vu ça. Les gens savaient déjà cela. Et nos armées sont en train de se réunir. Ils sont en train de se réunifier. Même en Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui sont en train de se concerter. Tôt ou tard, l'Afrique sera totalement libre. Chers camarades, l'Afrique est debout. Mais il n'existe pas de combat sans souffrance. Il n'existe pas de combat sans douleur. C'est la douleur là que nous voyons. C'est la douleur là que nous subissons. Lorsqu'on tire dans les pieds des gens, lorsqu'on tire des gens en balles réelles et que les gens tombent, les gens meurent. Au Sénégal, les gens meurent. Au Niger, ils ont commencé à tirer sur les gens. Au Mali, beaucoup sont morts. Au Burkina Faso, il y a eu des morts. Mais tout ça, c'est la souffrance. Mais ce que les gens doivent comprendre, ce que la France doit comprendre, ce que, je vais dire, l'Occident doit comprendre, c'est que l'Afrique est debout. Ça, là, il faut que les gens le comprennent. Parce que depuis des milliers d'années, nous ne faisons que souffrir. L'Afrique est le seul continent qui a connu l'esclavage. Mais si on vous montre les images de l'esclavage, vous n'allez même pas chercher à être amis avec la France. Entendez, nous combattons la France politique. Mais peut-être que vous-même, vous allez combattre toute la France mélangée. Comment les gens nous ont maltraités dans nos champs? Comment les gens nous ont fait du mal? Donc, on est dans leur pays. Beaucoup d'Africains sont en France, aux États-Unis, partout. Nous sommes dans leur pays, c'est vrai. Mais en ce qui concerne le combat panafricain, c'est-à-dire, étant dans leur pays, on va soutenir nos parents, on va soutenir nos aïeux, on va soutenir l'Afrique. Et c'est ce que je fais. Même si je suis aux États-Unis et que les Américains ne soutiennent pas le Niger, moi je suis libre de soutenir le Niger parce que je suis africain d'origine. Et leur propre constitution, que je respecte d'ailleurs, nous donne le droit de le faire. On dit freedom of speech, freedom of religion. Non, je suis libre d'être musulman ou chrétien. Je suis libre de dire ce que je pense et m'orienter où je veux, même si je vis dans un pays de l'OTAN. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il y a des scalamas qui viennent, qui m'envoient des mails. Ah, toi là, tu aimes beaucoup, tu as commencé à être suivi. Hein? Même tu es monté à 1000, un jour tu es monté à 1200, 1300. Si les gens découvrent que tu fais des vidéos pour le Niger, ils vont te rapatrier. Et yéke, les Américains n'ont rien à faire. Ils vont prendre un individu, un Africain à la peau noire pour le rapatrier parce qu'il soutient un autre pays africain. Vous pensez que les Africains, les Américains, ils sont dans les trucs comme ça là? Même la France, même qui est la France qui est énervée actuellement, qui est la plus perdante là. Et tous ceux qui sont là-bas, il y a mon ami Kone Gbagbo, mon petit frère Souleymane Kone Gbagbo, qui les frappe là-bas. Il est en France, ils ont qu'à le rapatrier d'abord. Vous ne parlez même pas anglais. C'est ici là que vous allez venir dire que non, il y a un gars qui fait vidéo qui soutient le non, vous aussi, soyons sérieux. Soyons sérieux. Chers camarades, je vais vous montrer un personnage mythique pour l'Afrique. Pas mystique, hein, mythique. Un personnage tragique. Un personnage dramatique. Et dans son nom, il y a le nom Draman dedans. Le voici. Ce monsieur a décidé de faire sortir toutes ses cartes, d'après lui, hein. Mais on va voir. C'est aujourd'hui, on va voir ce qu'il pèse. Parce qu'il aime trop effrayer les gens. Ils ont effrayé les gens dans notre pays avec une rébellion armée, tuant plus de 3000 personnes, d'après eux. Mais nous savons que c'est plus de 15 à 20 000 personnes qu'ils ont tuées. Ils ont égorgé, martyrisé le peuple et ils ont pris le pouvoir par la rébellion. C'est lui aujourd'hui qui vient donner des conseils pour dire non, nous voulons tout faire pour ne pas qu'il y ait des coups d'État en Afrique. Mais on est où là, chers camarades? Ce monsieur-là, il se croit, il ne sait pas pour qui même. On est où? Toi-même, tu es issu d'un putsch. Tu es issu d'un coup d'État, mais pire. Tu es issu d'une rébellion armée. La plus pire des expressions dans la langue, dans toutes les langues au monde, la rébellion armée est la plus pire des expressions. La plus pire des malédictions qui peut arriver à un peuple. Tu nous as fait subir ça par tes éléments, par tes hommes, par les rebelles. Et aujourd'hui, c'est lui, il prend toutes les... Je vous dis, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, Alassane Ouattara est en train de remuer ciel et terre pour que le Niger tombe et pour que Bazoum reprenne le pouvoir. Je vous montre pourquoi. Quelle amitié qui les liait les deux. Il y avait une amitié tellement forte. C'est M. Alassane Ouattara, selon quelques sources, qui a motivé le Niger de Bazoum à accueillir l'armée française qui avait été chassée au Mali. Est-ce que vous le savez? Donc aujourd'hui, il est énervé parce que Bazoum, qui était presque son numéro 2, concernant le soutien de la France, c'est pourquoi Macron, il est en train de pleurer, il était vraiment énervé.
Mais ce monsieur avait tout fait pour que Bazoum revienne au pouvoir. Je vous montre une photo ici. Vous voyez l'amitié qui régnait entre les deux. Ce sont des amis de longue date, chers camarades. Mais il y a un proverbe africain qui dit, hein, les fruits, lorsque un fruit est mature et que les deux fruits sont côte à côte, c'est que l'autre est presque mature. Chers camarades, ce personnage, voici ce qu'il a dit lorsqu'il est rentré à Abidjan. Voici ce qu'il a dit. Il dit, Bazoum demeure et demeurera le chef de l'État élu du Niger. Avec les chefs de l'État de la CEDEAO, nous avons réaffirmé notre détermination à lutter contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels de régime dans notre espace communautaire. Mais il a changé la constitution pour faire un troisième mandat. Vous voyez l'injure? Ça, c'est une injure au peuple africain. Toi-même, tu as changé la constitution. Puis tu dis aux gens que les gens qui aiment changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, mais les gens qui sont anticonstitutionnels. C'est ce qu'il a dit. C'est le mot qui est là. Anticonstitutionnel. Mais lui-même, il est anticonstitutionnel. Parce qu'il n'est pas ivoirien d'origine. C'est mon président qui a signé papier pour qu'il soit présidentiable. Et le papier, est-ce que vous savez que le papier que Gbagbo a signé en 2010, là, ça lui donne le droit d'être présidentiable une seule fois. C'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas se représenter deux fois. Ça fait déjà une infraction qu'il a, il a foulé au pied. Donc ça veut dire qu'il est anticonstitutionnel. Mais puis, on dit même si tu étais éligible, que tu pouvais te représenter, tu dois faire deux mandats. Il attend de faire troisième mandat anticonstitutionnel. Puis encore, il a fait une rébellion armée pour venir au pouvoir. Ça fait quatrième infraction, etc., etc. Les infractions sont nombreuses. Chers camarades, voilà quelqu'un qui veut réellement vous traumatiser au Niger. Chers camarades, faisons barrage aux ennemis de l'Afrique. Et toutes les personnes qui soutiennent ce monsieur-là sont en train de... C'est pourquoi? Mais c'est bon même. On va laisser ces calamas-là. On va aller directement au Niger. Chers camarades, je pense qu'une fois, on va aller au Niger, c'est mieux, non? On va laisser Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand tu l'attaques, moi-même, les gens de mon parti, moi-même, les gens, mes frères ivoiriens, ils viennent me dire, non, tu veux m'attaquer trop, Alassane, faut les laisser. Ah, on n'a qu'à passer à autre chose. C'est autre chose qui est dans les yeux, là. Donc moi, je préfère... On n'a qu'à laisser Côte d'Ivoire. Je suis retourné au Niger, ok? On est maintenant au Niger. Chers camarades, voici un monsieur, ici, qui avait été arrêté par l'armée de Bazoum. Parce que ce monsieur a dénoncé l'ingérence de la France au niveau du terrorisme au Niger. Ce monsieur a eu la couille de dire les vérités à qui de droit. Il a dit à la France, il a dit à l'opinion nationale et internationale que c'est la France qui est à la base des terrorismes en Afrique. C'est la France qui finance le terrorisme en Afrique. Vous savez ce que Bazoum a fait à ce Nigérien? Bazoum a pris ce monsieur, il a foutu le monsieur en prison. En mai de 2023, ce monsieur était déjà en prison depuis mai 2023. Mais les nouvelles autorités qui sont panafricaines, les nouvelles autorités dirigées par le général Abdourahmane Tiani a libéré ce monsieur. Là où je vous parle, ce monsieur est libre, il est allé rejoindre sa famille, ses enfants, il est tout content avec les nouvelles autorités. C'est ça l'Afrique. L'Africain ne met pas son ami, un vrai panafricain ne maintient pas injustement son ami en prison. Parce qu'il soutient, il est contre la France. Non, un vrai panafricain, quand il vient, il libère les autres qui sont en prison injustement. Ce monsieur, il est libéré par les nouvelles autorités au Niger. Il est important de le souligner. Alors, on va lire le petit texte qui va avec. Niger, Haruna Maïga, c'est son nom. Libéré par les militaires et les nouvelles autorités du Niger. Arrêté depuis le 5 mai 2023 suite à une réclamation de presse où il dénonçait l'implication totale et la complicité tragique de la France dans le terrorisme au Niger. Haruna Maïga, qui est donc le coordinateur de l'Union pour la paix, la sécurité et la cohésion au Niger, a été arrêté par les armes de Bazoum. Et il a été incarcéré injustement, sans jugement, et donc depuis le 5 mai 2023. Ce monsieur a été libéré par les nouvelles autorités du Niger. Chers camarades, on remercie les nouvelles autorités qui prennent déjà de bonnes mesures panafricaines, qui commencent à penser déjà à leur population. Ça fait 2-3 jours qu'ils sont au pouvoir. Dans les une semaine, ils sont en train de rétablir l'ordre. Vous voulez qu'on avance dans le rétablissement de l'ordre? Mettez les cœurs. On va avancer. Mettez. Je ne vois plus les cœurs. Il faut les pomper.
à pomper. C'est l'évaluation et l'évolution de la situation au Niger. C'est le titre de la vidéo du jour. Pomper. J'ai dit pomper les cœurs. Django sera souffert. Macaroni sera souffert. Vous connaissez Macaroni? Macaroni, c'est Macron, Brigitte. Macaroni sera souffert. Macron sera détesté par la France jusqu'à sa mort. Parce que depuis sa venue, vraiment, il n'est pas chanceux. Hein. Que ce soit sur les Français eux-mêmes, que ce soit en Afrique, vraiment, il n'est pas chanceux. Parce que depuis qu'il est venu, tout est devenu bizarre sur eux. C'est gâté sur eux là-bas. Où ils vont enlever l'or pour aller mettre dans leur banque de l'or, là, ils vont dire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que bientôt, on va attaquer le franc CFA. Ah oui! Quand on va finir par... Actuellement, comment on fait là? C'est contre l'armée française, hein, pour ceux qui ne comprennent pas bien. Quand nous soutenons les coups d'État, quand nous soutenons les coups d'Étaïsme, quand nous soutenons les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Sonko, les... Bon, Sonko, pour l'instant, il n'est pas coup d'Étaïsme. C'est parce qu'il n'est pas coup d'Étaïsme qu'on le malmène, parce qu'il n'est pas général de l'armée. Il n'est pas capitaine ni colonel. Lui, il veut passer par la voie politique, on le malmène, on le met en prison, on envoie des gens, des faux témoignages, il y a des filles qui disent qu'ils sont en fait même chose comme Trump. Comment on fait ici, là? On dit non, okay, il a violé tel, il a fait tant, on le condamne à 2 ans, on le libère, on le fatigue, parce qu'il n'est pas général. Donc pour lui, il est panafricain, mais panafricain politicien. Mais les panafricains coup d'Étaïsme, ils sont soutenus par les Africains. On soutient le général Tiani Abdourahmane. On soutient Ibrahim Traoré, le coup d'Étaïsme. On soutient Assimi Goïta, le putschiste. Et nous en sommes fiers. Parce que par eux, nous faisons une guerre froide contre l'armée française. Donc à cette allure, à ce niveau du combat, nous combattons d'abord les forces extérieures qui sont rentrées à l'intérieur de l'Afrique, c'est-à-dire l'armée française. Parce qu'on va finir avec ça, on va attaquer le franc CFA. Comme ça, les intérêts qu'on paye, parce que notre argent est garanti par la France, par la banque française. Donc quand tu envoies Western Union, toi qui es aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, quand tu envoies de l'argent à tes parents, la France coupe pour elle dedans. La France coupe dedans pour prendre. Cette injustice doit prendre fin. Si on est indépendant, on doit vraiment être indépendant. Suivez mon regard, d'après un politicien qui est devenu poltron et qui est devenu ennemi de l'Afrique. Tout ce qui se passe là, il dit rien. Blé Boudé, en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe là, il dit rien. Il a fermé sa bouche, là, il a fermé ça. Mais c'est lui qui faisait des discours panafricains à la CPI. On ne veut pas de ce genre de combattant là, chers camarades. Donc, je remercie les nouvelles autorités d'avoir libéré Haruna Maïga. Voilà, Haruna Maïga qui a été arrêté parce qu'il a dénoncé la France. Mais ça fait pitié. Un Africain dénonce la France et les Africains prennent l'Africain qui a dénoncé la France pour le mettre en prison. Mais pourquoi? À cause de votre intérêt. Le problème de l'Africain, c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme en bon français. Aujourd'hui, il est porté cravate. Hein? Voilà. Donc, on va parler gros français maintenant. C'est de ça qu'on a... L'égocentrisme. Les gens font une politique piroitriste. Tu dis le mot. Ça veut dire une politique qui tourne seulement autour d'eux. Ils sont en train de piroiter autour de leur maudite et fameuse personne. Ça a été le cas de Guillaume Soro. À cause de son petit ventre, sa petite personne et sa grosse tête de jour, là, il a fait tuer plus de 10 000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Pour être premier ministre, ministre de la Défense. C'est ça qui est dans ses yeux-là. Il est condamné à perpétuité. Et par qui? Par celui pour qui il a tué ses propres frères. Voici le danger de l'Africain. L'ennemi de l'Africain a toujours été l'Africain. Et aujourd'hui, on est maintenant décidé à combattre les Africains qui sont nos ennemis. C'est pourquoi Bazoum, qui est Nigérien, a été destitué par les Nigériens. C'est pourquoi Blaise Compaoré, qui est Burkinabé, a été sauté par les Burkinabés. Et même lui qui est venu, Damiba, qui est venu, quand on a vu qu'il a commencé à porter veston, au lieu de porter veste pour aller voir la Russie, lui il porte veston pour aller voir Dramane Ouattara. Quand on a vu ça, puisqu'on connaît les calculs politiques africains, qui dit Dramane Ouattara dit l'Elysée. Quand on a vu que Damiba a commencé à porter veste pour aller en Côte d'Ivoire pour voir Dramane Ouattara, ils ont sauté. Ibrahim est venu. Et aujourd'hui au Niger, ils ont sauté Bazoum. Chers camarades. Et au Mali, ils ont sauté. Comment il s'appelle là? Lui qu'ils ont sauté au Mali, là, j'oublie un peu son nom là. Oh, son image est là, mais j'oublie son nom. Oh. Donnez-moi son nom après dans les commentaires. Donc, chers camarades, nous sommes très contents de ce qui se passe au Niger. On va toujours rester au Niger parce que le combat qui est au Niger nous concerne tous. Voilà, on va toujours rester au Niger, chers camarades.
Voici un individu. Un individu qui est fils d'un président au Niger. Il a été fils d'un président qu'on appelle Issoufou, si je ne me trompe pas. Puisque c'est maintenant que je me cultive sur la politique nigérienne. Ce monsieur-là, c'est lui qui fait des posts sur Facebook. C'est à cause de lui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à cause de ce monsieur que les autorités, les nouvelles autorités, Ibeka, merci beaucoup, voilà, Ibeka, merci beaucoup. Son image est là, mais c'est son nom que j'avais oublié. Merci que Dieu vous bénisse, vous suivez. Mais je ne vois plus le cœur. Mettez le cœur. Je ne vois aucun cœur, aucun pouce bleu. J'ai dit, mettez le cœur. Et vous qui êtes dans les pays développés, là, mettez-moi mes étoiles. Hein. Chers camarades, par jour, c'est des centaines de personnes qui nous suivent. J'ai toujours zéro étoile. Même actuellement, j'ai zéro étoile au compteur. Chers camarades, vous voyez, il n'y a pas l'eau pour boire. Parce que vous ne payez pas mon eau. Vous ne mouillez pas ma gorge. Hein? Il y a actuellement, vous êtes 745. Et c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, ça, bon, comme c'est un peu tôt, donc ça ne monte pas trop. Mais après, vous allez voir que cette vidéo, la vidéo d'hier, a presque 100 000 vues. Plus de 8 000 likes. Oh là, j'ai oublié de vous remercier. Je remercie. Je remercie. Amété. J'ai dit pomper les... 8 000 réactions, chers camarades. On dirait une page de 100 000 abonnés. Alors, on n'est même pas à 20 000. C'est maintenant, on est dans 19 000. 8 000 réactions. Moi, je suis étonné. Attends, on n'avait même pas atteint 1000 personnes en ligne. Hein. C'est vos partages qui le fait. Quand vous partagez, après, les gens regardent. La vidéo, je n'ai même pas... Bon, hier nuit, avant de dormir, j'ai vu 80 000 vues. Ce matin, on ne peut même pas voir les vues là. Tellement vues là et tout, on ne peut pas voir. Donc, on m'a monté les réactions. 8 000 likes, le direct d'hier. Si j'étais dans le faux, les Africains n'allaient pas... Ils pouvaient regarder sans liker, sans liker. Puisque quand on était en direct, on n'était même pas 1000. Donc, c'est sûr qu'à la fin du direct, on ne peut pas avoir 1000 likes. Pourquoi, en moins de 24 heures, il y a 8 000 likes en bas du direct d'hier? Et les gens viennent dire que non, tu n'as rien à dire. Je vois les éléments de Draman Ouattara qui viennent dire que moi, je n'ai rien à dire. Puis il y a 8000 réactions en bas de ma vidéo. Et ce n'est pas une vidéo préenregistrée puis balancée. C'est un direct. Parce que je connais l'algorithme de Facebook. Les préenregistrés sont beaucoup recommandés que les directs, pour ceux qui ne le savent pas. Regardez mon petit frère, c'est ce qu'il fait. Souleymane Kone Babo, c'est la même chose qu'il fait. Il ne fait même plus direct comme ça. Il fait préenregistrer puis il balance. Parce que là, tu fais préenregistrer là. YouTube recommande ça plus largement que les directs, selon l'algorithme de YouTube. Vous voyez, non? Mais moi, je préfère faire direct pour être en communion avec mes frères et pour voir le cœur. Oh, mettez le cœur. J'ai dit pomper le cœur. Oui, mille réactions, j'ai oublié de vous remercier. Je vous remercie, chers camarades, à vous qui regardez la rediffusion, voilà, aux ministres, aux commissaires, aux juges. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui regardent leurs petits faire le boira. Ils sont tapis dans l'ombre parce qu'ils sont encore dans les pays sous le joug colonial, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Donc, ils nous suivent sans trop parler, sans trop commenter. Et les gens nous écrivent. C'est pourquoi je vais mettre mon WhatsApp. Qui va se négliger, mon cher? Voilà, il faut tisser les relations. Le jour que j'arrive au Niger, c'est une mère ou un maire d'une ville qui doit me recevoir. Un ministre doit me recevoir parce que j'ai combattu pour eux. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Bon, après, donc la publicité donc, de notre page, qui va se négliger? On va continuer le combat. Chers camarades, Issoufou Sani, il s'appelle Sani, ce gars-là. Attends, il y a d'autres de ces photos qu'on m'avait envoyées. Je n'ai pas parlé ça, il a peut-être chapeau et puis chaud, c'est un peu bizarre. Mais il est en costume très souvent. Ce monsieur-là, est-ce que vous savez que c'est à cause de lui que les autorités, il y a lui et puis il y a ce monsieur-là. Il y a deux messieurs. Il y a lui et il y a lui-là. Ce gars-là. Vous voyez ce gars-là? Voilà. Lui-là, on va parler de lui tout à l'heure. J'ai parti du plus petit au plus grand. Et lui-là. C'est à cause de ces deux-là que le gouvernement du Niger a pris la décision de poursuivre toutes les personnes qui vont poster sur les réseaux sociaux des informations qui décrédibilisent le pouvoir en place. Voilà. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Parce que ce monsieur-là, tous les jours, il poste. Tous les jours, parce qu'il a une page Facebook qui est certifiée. Donc, c'est joli quand même. Moi-même, peut-être qu'un jour, il y a aussi pour moi qui est fou. On peut payer, mais moi, il ne paye pas. Si c'est à cause de ça, Facebook, il prend mon âge, je ne sais pas. Puis, ici, aux États-Unis, dans les autres pays, vous ne pouvez pas payer. Mais ici aux États-Unis, on peut payer le truc bleu là, pas moi. Peut-être si vous me donnez beaucoup de cœur, beaucoup d'étoiles, j'allais faire que la page allait être jolie, pour que le combat soit joli. Mais c'est pas grave, quand même, mettez le cœur, mettez le cœur. Sinon, on peut payer, mais c'est seulement valable aux États-Unis. Voilà, tu es public, tu n'es pas public, tu payes tes 14,99, donc 15 $ par mois, on te donne le truc bleu là. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Voilà.
que tu sois public ou pas, tu payes $15 par mois. Facebook met le truc bleu sur ta page. Voilà, on peut le faire. Mais moi, je n'ai pas... Je suis étudiant, pour ceux qui ne savent pas, je ne travaille même pas. Il y a quoi pour payer $15 par mois? Voilà, Internet qui paye $70 par mois. Hein, facture d'eau qui vient beaucoup comme ça. Je suis, on est deux, facture d'eau vient. Hein, les gars. Donc, mettez les étoiles si vous pouvez, chers camarades. Et mettez les cœurs. Donc, il a une page certifiée. Tous les, depuis que les gens ont pris le pouvoir, là, il ne fait que poster des mauvaises informations. Ils l'ont sri. Mais ils ne l'ont pas sri à cause de mauvaises informations. Mais c'est pour vous dire qu'il postait trop de mauvaises informations. Et je voyais ça tellement, mais je ne pouvais pas relayer ces mauvaises informations. Mais ce n'est pas comme ça. Parce qu'en politique, il n'y a pas de mauvaise communication. C'est pourquoi il n'a pas trop parlé de Dramane Ouattara. Par exemple, le simple fait de parler de lui, là, c'est de faire sa publicité sans le savoir. Donc j'ai parlé un peu de lui, je suis passé sur lui. Parce que c'est un monsieur qui il est tout sauf africain. La seule chose qui fait qu'il nous ressemble, c'est qu'il est noir. Alors ça va. C'est un homme, je pense qu'il est le seul président qui a fait la publicité du franc CFA. À l'Elysée. Mais je tombe de nuit. Il dit le franc CFA est bon. Mais comment on dit franc CFA? Franc des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Colonie française. Lui, il dit que c'est bon. C'est très bon. C'est une bonne monnaie. Vous savez que le franc CFA. C'est un Africain qui est là. Vous êtes sûr que lui, là, c'est un Africain? Attendez, il y a la lame qui sonne. Il ne sait pas c'est où. Donnez-moi un instant, j'arrive. Donnez-moi un instant, j'arrive. Ok, c'est ma voisine. Sa nouvelle voiture qu'elle a achetée là, même quand mouche touche, ça va sonner. Hein? Elle a acheté une nouvelle poche là. Porsche. Même quand mouche touche, ça va sonner. Ça embrouille les gens. Bon, bien. Alors, on avance maintenant. On a combien de minutes? 46 minutes. Oui, c'est pas grave. Même si on fait une heure aujourd'hui, c'est pas grave. On va avancer dans le direct. Mettez le cœur pour que j'avance. J'avance, on va avancer. Merci beaucoup, chers camarades, on va avancer. Niger, Sani Issoufou Mahamadou, ministre du pétrole. Regardez, le président, c'est-à-dire son papa est président. Et puis c'est quand son papa était président, hein? Son papa est président et il prend son enfant pour le mettre dans le ministre des pétroles de tout un pays. On peut servir un pays avec sa famille. Ça, c'est pas des patriotes, ça. Un vrai patriote, un vrai panafricain, il diversifie les postes. Regardez en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, Burkinabé d'origine, président de la République de Côte d'Ivoire. Ministre de la Défense, je ne connais même pas son vieux nom là. Le ministre de la Défense, Burkinabé d'origine, petit frère de Dramane Ouattara, il est ministre de la Défense. Président de l'Assemblée nationale, Burkinabé d'origine, etc., etc. Même Kandia, elle est étrangère, elle n'est pas ivoirienne d'origine. Elle est ministre des Affaires étrangères. Tout le Mamadou, malien, ministre des Affaires étrangères. On ne gère pas un pays comme ça. C'est parce que j'ai oublié le nom. Il y a plus de 10 membres de Dramane Ouattara, c'est-à-dire de la même famille, hein, qui sont dans le gouvernement. 10. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc ce monsieur-là, il est le fils de l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, qui vient d'être arrêté par les militaires. Selon les sources, il serait un pilleur de deniers publics et il est l'heure qu'il rende compte au peuple nigérien. Donc ce monsieur, non seulement il pille les richesses, il est ministre du pétrole, il ne déclare pas tout l'argent au peuple, mais c'est lui encore qui fait une diabolisation informatique, diabolisation d'information au compte de la France. Et il a été arrêté aujourd'hui. Donc, les nouvelles autorités, messieurs, au moins on atteint quand même 800, sinon ces temps-ci là on ne monte pas, hein, ces temps-ci là on n'atteint pas 1000. Mais je suis content parce qu'après les gens regardent la vidéo. Mettez le cœur, pompez le cœur et partagez le direct. Partagez le direct. Est-ce qu'on a au moins 100 partages? Ah les gars, vous aussi. Hein? 800 et puis on n'a pas 100 partages. Ah dame, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, on a 100. Ouh, on a même plus de 100, même on a 200 partages. Mettez le cœur. Chers camarades, on évolue. Donc ce monsieur qui est là, il était le ministre du pétrole du Niger, fils de l'ancien président Issoufou. Il a été arrêté par les nouvelles autorités. Il a été mis aux arrêts. Il est arrêté là où je vous parle, il est meloté même. Peut-être, hein, parce que c'était moi, il était général, il allait le meloter. Meloté dans le dos, parce qu'il a volé l'argent du Niger. Et puis il est pour la France, lui là, il est pour la France, il n'est pas pour le combat que nous faisons. Tous les ennemis du combat doivent être arrêtés. Voilà.
Et tous les amis du combat doivent être libérés. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les nouvelles autorités du Niger sont rentrées en activité patriotique. C'est ça, être patriote. Être patriote, c'est libérer les gens qui sont injustement incarcérés et arrêter les gens qui méritent d'être arrêtés. Je remercie le patriotisme. C'est pourquoi leur parti politique, il y a la patrie dedans. La patrie. Le CNSP veut dire, en tout cas le CN, je ne suis pas trop sûr, comité national, peut-être, mais je connais le SP et c'est ça qui est suffisant pour moi. La sauvegarde de la patrie, c'est ce que ça veut dire le SP. Voilà. Donc, les autorités nigériennes sont rentrées en action, ils ont commencé à diriger le pays. C'est ça, diriger un pays, c'est ça. Diriger un pays, c'est condamner les malfrats, les personnes de mauvaise augure, et puis c'est libérer les personnes qui sont injustement incarcérées. C'est ça, diriger un pays. Ils ont commencé à diriger. Hein. Pendant que les gens pensent qu'ils ont une semaine pour libérer, eux, ils ont commencé à diriger. Les arrestations, ce n'est pas fini. Voici un monsieur ici. Je vous montre son visage. Et hier, j'ai parlé de ce monsieur. Hier, on a lu un communiqué d'un certain PND, quelque chose comme ça, un certain parti politique, qui avait donc appelé ces éléments à faire une manifestation et à filmer pour poster sur les réseaux sociaux, sur Internet. On est d'accord, on a parlé de ça hier, pour ceux qui n'ont pas regardé, ça y est, allez-y regarder. C'est le même là qui est là. Quand les gens ont vu le communiqué, quand les nouvelles autorités ont vu donc le communiqué, là où je vous parle, il est aux arrêts. Le petit test qui va avec. Niger, Monsieur Fumakohe, voilà. Monsieur Fumakohe Gado, haut représentant du président de la République et président du comité exécutif national du PNDS, Taraya, a été arrêté par les militaires. Il en est de même que son directeur de cabinet, Monsieur Karsini Bashirou. Donc ce monsieur, comme c'est un parti politique, il est leur président, il a son directeur de cabinet. Donc ils l'ont arrêté. Et ils savent que s'ils laissent le directeur de cabinet, il va toujours continuer la diabolisation médiatique. Donc ils l'ont arrêté et ils ont arrêté son directeur de cabinet en même temps. Voilà. Donc vous devez comprendre, chers camarades, le balayage a commencé. Il y a plein d'hommes qui ont arrêté, hein, mais donc je n'ai pas encore reçu les informations. Parce que c'est les Nigériens qui m'informent. Si tu es Nigérien, que tu sais que tu as les informations sûres, il ne faut pas me mettre en erreur. Il ne faut pas que tu aies fait les gens douter de ma crédibilité. Parce que nous, on parle et puis après, les gens réalisent que c'est vrai. C'est ça que nous, on veut continuer. C'est pourquoi on parle très tôt. Voilà, à temps réel. Donc si tu es au Niger, que tu sais que tu peux me filer les informations officielles et vérité et vraies, pardon, rentre dans mon inbox. Il ne faut pas m'envoyer mail, hein, parce qu'il y a trop de mails actuellement, je ne peux même pas tout lire. Rentre dans mon inbox directement, Messenger. Il faut rentrer dans mon inbox, tu me fais signe, et comme ça, on va rester en contact sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Et dès que tu as quelque chose, tu me balances ça, chers camarades. J'ai besoin des cyberactivistes nigériens du Niger. J'ai besoin des patriotes du Niger. Parce que ce dossier, nous voulons le suivre de près. Oui! C'est vrai qu'on suit de près le Sénégal. Tout à l'heure, dans 2 heures ou dans 3 heures, j'ai lancé encore un autre direct où j'ai fait encore des vidéos pour soutenir donc Sonko et pour soutenir le peuple du Sénégal. Mais comme eux, ils sont encore loin, et puis il reste encore 7 mois pour aller aux élections. Ici, là, la bouillie, là, ça boue. Le baka, ça boue. La bouillie, la boue, le sucre est dedans, ils ont mélangé. On va voir qui va manger le baka. Donc, c'est pourquoi ils sont beaucoup sur le Niger. Voilà, parce que là, c'est chaud. La France se prépare à bombarder. Et ce n'est pas du jeu, hein, parce qu'ils se disent que c'est quand on va effrayer le Niger que les autres ne vont pas rater dans la course. Si le Niger passe, les autres pays vont passer. Même la Côte d'Ivoire risque de passer dedans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont aussi patriotes. Hein. C'est parce que l'armée est dirigée par les non-patriotes. Si l'armée était dirigée par les patriotes, il y a longtemps que le drame était tombé. Mais l'armée est dirigée par les gens qui ne sont pas patriotes, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major, il n'est pas patriote. Le directeur de la police, lui-même, il était dans la rébellion même. Eux-mêmes, ils étaient dans la rébellion même. Pire, tous les généraux, ils étaient dans la rébellion. Vous voyez? Voilà, donc c'est pas facile. Le ministre de la Défense, lui-même, là, c'est le petit frère même de Daman. Donc c'est pourquoi c'est quand même difficile chez nous. Mais un jour, la bouillie, là, elle est encore là. Une bouillie qui est froide Vous êtes musulman, donc vous connaissez très bien la valeur de la bouillie. La bouillie, elle est intéressante lorsqu'elle est chaude. Et là-bas, ils n'ont même pas encore commencé à préparer. Voilà. Hein? Au Sénégal, là, ils n'ont pas encore commencé à préparer. Donc, on va les soutenir, mais c'est ici que je vais mettre l'accent. C'est ici que je vais mettre l'accent au Niger, ici. Voilà. On va avancer, chers camarades. Alors,
pour ceux qui n'ont pas écouté, ça fait combien de minutes? Je n'aime pas trop durer dans les directs. 54 minutes. On va faire 1h10 ou 1h20. Voilà, je n'ai pas trop duré. Pour ceux qui n'ont pas écouté le communiqué, les communiqués, il y a plus de 4 communiqués. On va écouter maintenant les communiqués de M. Abdourahmane. Mais ce n'est pas le même Abdourahmane que vous connaissez. Voilà. Lui qui va parler, il s'appelle Abdourahmane, mais il n'est pas général. Je pense qu'il est colonel-major. Colonel-major Abdourahmane. Mais lui qui dirige le Niger, le premier magistrat, c'est M. Abdourahmane Tiani. Voilà. Et puis Abdourahmane Tiani, il faut penser à nous, hein. Oui, ils ont tous des téléphones. Peut-être qu'un jour, il est tombé sur l'une de mes vidéos. Les vidéos qui font les 8000 réactions. Forcément, il est tombé dessus. Il va dire, mais c'est qui ça? Ah, c'est un Ivoirien. Mon frère, quand on va combattre, quand on va gagner la victoire, on va gagner le combat. Mon doyen, faut penser à nous. C'est facile, non? Voilà, pense à nous, tu vois, vous allez penser à nous aussi. Adama, la bouillie, c'est pour ça qu'on se bat. La bouillie, elle est chaude. Quand on va prendre la bouillie, pensez aussi à nous, hein? C'est de ça qu'il s'agit. On se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Donc voilà, on se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Aïe, 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 aïe. On va écouter ceci. Pour la sauvegarde communiquée. Voilà. 4 communiqués qui seront lus en 5 minutes et on va décortiquer les communiqués. Je pense que c'est après ça qu'on va s'arrêter, s'il vous plaît. On y va. Communiqué numéro 13. Le peuple nigérien en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a organisé une manifestation pacifique le dimanche 30 juillet 2023. Cette manifestation a eu un succès incontestable. Toutefois, un peu plus tard, en raison d'un ressentiment consécutif à l'attitude déstabilisatrice d'une chancellerie occidentale, un regroupement spontané des manifestants a eu lieu aux alentours de celle-ci. Malgré les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour contenir la foule, les services de sécurité de la dite chancellerie ont tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de leurs armes. Cette intervention a eu pour conséquence 6 blessés pris en charge par les hôpitaux de la place. Merci. Avant que le colonel-major Abdourahmane puisse terminer le premier communiqué, j'aimerais dire aux ennemis de l'Afrique qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort au Niger pour l'instant. Il y a eu 6 blessés. C'est ce qui a été dit. Et nous, nous nous en tenons à ce que ceux-là ils disent. Parce que c'est eux qui sont les vrais garants du Niger. C'est eux qui sont les vraies autorités du Niger. Tout ce que les autres vont dire, nous, on n'est pas dedans. En ce qui me concerne, il n'y a pas eu de mort au Niger. Il y a eu 6 personnes qui ont été blessées. Et ça, c'est affaire de gaz lacrymogène, les trucs comme ça. Il va parler encore de l'armée française. Je pense qu'il va parler de la partie là. Mais il n'y a pas eu de mort. Les gens ne sont pas morts. Vous avez vu combien ils étaient nombreux. Mais il n'y a pas eu de mort. C'est ça le patriotisme. C'est pas chez vous en Côte d'Ivoire. Même élection municipale, vous tuez les gens. Élection temps, vous tuez les gens. Chef du village, vous tuez les gens. Pour jouer Maracana, vous tuez les gens. C'est pas le cas, hein. Si vous avez l'habitude de compter vos morts, ici, là, il n'y a pas eu de mort. Arrêtez d'intoxiquer les gens. Les gens sont allés enlever Bazoum au pouvoir, au calme. Ils n'ont pas tué des gens. Ils n'ont pas tué des centaines de personnes. Donc vous mentez. Vous mentez. C'est important de le relever. On va poursuivre, chers camarades. Cette intervention a eu pour conséquence 6 blessés pris en charge par les hôpitaux de la place. Le CNSP réitère son appel à la retenue et au sursaut patriotique tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Fait à Niamey le 30 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà. Donc ça veut dire depuis que les événements sont en train d'avoir lieu au Niger, hier était 30. Donc depuis jusqu'au 30, il n'y a pas eu de mort, c'est 6 blessés. Mais il a donné la date. Donc arrêtez d'intoxiquer les gens. Montrez-nous les cadavres là. Maudit là. On va poursuivre avec le prochain communiqué. Communiqué numéro 12. Il est porté à l'attention du public que conformément aux tests en vigueur au Niger, notamment la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger, la loi numéro 2022-59 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les dispositions pertinentes du code pénal nigérien. L'usage des moyens numériques analogiques
et électroniques pour divulguer des informations portant atteinte à la vie privée, l'intégrité morale et psychologique des personnes, à la sûreté de l'État et la sécurité nationale est proscrite et passible des peines pécuniaires et d'emprisonnement. Merci, Aboudraman. Le colonel major Aboudraman, le porte-parole donc de la des nouvelles autorités au Niger, vient de lire le 14e communiqué. Ça veut dire, les réseaux sociaux que nous utilisons tous, d'autres, les uns comme nous autres, pour faire le bon combat pour l'Afrique, et les autres pour faire le combat contre l'Afrique. Ces réseaux sociaux sont miroités maintenant par les autorités, c'est-à-dire, les autorités ont les yeux par rapport à qui va dire quoi et qui va faire quoi. Si tu as eu à dire des choses qui peuvent avoir à tête, ne serait-ce que au moral des Nigériens, ne serait-ce que qui peut déranger un peu, même s'il n'y a pas de mot, il n'y a pas eu de soulèvement par rapport à ce que tu as dit, mais même si ça touche ne serait-ce que à la conscience des Nigériens, tu peux faire la prison. Et il a cité la loi nigérienne qui leur donne le droit de le faire. Et c'est pourquoi ils ont commencé à arrêter et ils vont continuer à arrêter les gens qui intoxiquent les gens. Les gens qui disent qu'il y a eu des morts, c'est rentré sorti ici, chers camarades. Donc je pense que vous êtes tous avertis. Moi je suis du bon côté, on ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas me porter plainte ici. Parce que je ne dis pas aux gens, allez-y tuer les gens, allez-y faire ça, allez-y faire terrorisme. Moi je combats même le terrorisme en tant que tel. Je combats les ennemis de l'Afrique. Et je fais le combat de ceux qui ne tuent pas. Parce que les nouvelles autorités n'ont pas encore dit qu'ils vont bombarder quelqu'un. Ils n'ont pas encore dit qu'ils vont tuer quelqu'un. Donc moi je les défends parce qu'eux ils ne sont pas venus pour tuer. La preuve, ils sont venus enlever Bazoum, il n'y a pas eu de mort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ils l'ont pris, ils l'ont enlevé. Et ils l'ont mis quelque part. Et eux-mêmes, ils l'ont dit que la vie de Bazoum n'est nullement menacée. Bazoum n'est pas blessé, Bazoum n'a pas été frappé, Bazoum n'a pas été touché. Ils l'ont simplement enlevé du fauteuil présidentiel. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites attention à vous qui faites des vidéos, vous qui faites des mauvaises choses, faites attention parce que vous pouvez aussi être poursuivi. Surtout vous qui êtes en Afrique, on peut vous mettre en prison. On va poursuivre, terminer avec ce communiqué numéro 14, avec le colonel major, donc Aboudraman. À ce titre, tout contrevenant sera appréhendé par les services compétents des forces de défense et de sécurité et mis à la disposition de la justice. En cette période que vous connaissez, nous invitons tous les citoyens à se conformer aux tests en vigueur et de s'abstenir de l'utilisation des différents réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Telegram, Viber, TikTok, Facebook, pour véhiculer des informations et messages haineux, politiques et susceptibles de troubler l'ordre public. Merci. Et ce n'est pas seulement Facebook. Donc ils vont tout faire maintenant pour miroiter aussi les WhatsApp. Les groupes WhatsApp, les Twitter, les TikTok, tout ça là, ils vont mettre les yeux dedans. Parce qu'un pays a la capacité de regarder tout ça. Voilà, tous les pays que vous voyez là, même les États-Unis, s'ils veulent voir dans mon WhatsApp, c'est facile. Ils connaissent mon IP. Les Américains là, ils connaissent mon IP. Ils connaissent l'IP de tous mes appareils. Il suffit simplement d'avoir l'adresse. Ils peuvent même entendre ce que j'ai dit. Et ces gens de technologie existent avec la Russie. Ils sont capables d'installer ça aussi au Niger. Pour miroiter ce que vous dites dans les... Faites attention, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Et c'est ce que Draman fait sur ma population. Quand tu appelles un Ivoirien aujourd'hui, tu dis Draman, tu dis, pardon, je n'ai pas avoir de problème. Oh. Quand tu appelles un Ivoirien aujourd'hui, si tu es un Ivoirien qui est un peu haut, c'est-à-dire un commissaire, un colonel, ou bien un maire, ou bien un agent au maire, quand vous parlez comme ça, il dit, pardon, faut faire attention, mon petit. Faut avoir pitié de moi. Faut pas dire certains mots ici. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur écoute. Toutes les puces sont dans leur base de données. Toutes les puces, et même les cartes nationales d'identité, il y a des puces dedans. Les cartes d'identité là, il y a puces dedans. Pour que ça soit traçable, pour que ça soit écoutable. Donc ça aussi, ça va, ils vont envoyer ça aussi au Niger. Oh, mettez le cœur, je ne vois aucun cœur. Mais on est toujours dans les 700, c'est pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même duré en direct. Il y a pas trop comme 2 minutes. On est toujours dans les 700, c'est pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même duré. On peut pas voir les minutes ici, attendez-moi. 1h04, voilà, 1h04. J'avais dit que je voulais faire 10, non? Donc on va avancer un peu, on va avancer rapidement. Mettez le cœur, j'ai dit pomper le cœur, pomper le cœur, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Merci chers camarades, ça fait plaisir. On évolue. Les services de la police judiciaire sont instruits pour veiller au respect strict des dispositions en vigueur en la matière. C'est pas ce que je disais. La police judiciaire dans tous les pays, c'est leur boulot qui est là.
Voilà, donc ils sont avertis et ils vont se mettre au travail dès à présent. Tout sera filtré. Donc laissez les gens qui sont dans le vrai combat faire le combat et vous fermez là. Si vous êtes trop fâché, allez-y vivre avec Macron en France. Au Niger, c'est les Nigériens qui dirigent. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit. Le 30 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 11. Le CNSP appelle tous les ex-ministres et directeurs des institutions à restituer aux différents départements ministériels et directions tous les véhicules de fonction mis à leur disposition au plus tard le lundi 31 juillet 2023 à 12h. Fait à Niamey le 30 juillet 2023. C'est ça qui est la vérité. C'est la preuve que vous n'êtes plus des autorités au Niger. Donc tous les ministres, tous les chefs d'état-major, tout ce que vous voulez, toutes les unités étatiques du Niger, vous devez ramener les véhicules de service que vous avez garés chez vous là. Envoyez ça à la présidence. Parce qu'il y a des nouvelles autorités qui doivent les utiliser. Et ils n'ont pas donné beaucoup de temps. Hein. C'est vous qui donnez une semaine. On vous a donné 24 heures. Parce que c'est hier soir que les communiqués ont été donnés. Donc aujourd'hui, lundi, là, jusqu'à le soir au Niger, si vous n'avez pas envoyé ces véhicules, non seulement les militaires vont se déplacer pour aller prendre les véhicules, mais vous risquez aussi d'être arrêtés. Parce que là, c'est du brigandage étatique. Parce que ça ne vous appartient pas. Donc, le délai de rigueur, c'est aujourd'hui 31. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens sont en train de diriger le pays. C'est vous qui pensez qu'ils ont peur de l'OTAN. Ils ont peur de CDAO, ou bien la France va framponner. Et ils sont en train de diriger le pays. Sinon, ils sont informés de la probable frappe de la France. Mais ils sont en train de diriger déjà le pays, comme s'il n'y avait rien à l'horizon. On va poursuivre très rapidement. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. C'est de ça que je parlais. Donc c'est maintenant officiel. Donc la France va frapper ou pourrait frapper la présidence du Niger. Et c'est des Nigériens qui ont signé. Il n'est même pas premier ministre, hein? Mais il a signé comme s'il était premier ministre, parce que premier ministre par intérim, c'est lui qui a signé en collaboration avec un autre qui était commandant de la garde nationale. Ils ont signé pour donner l'autorisation à la France de frapper. Un Guinéen peut-il faire ça à son peuple? Pardon, il dit Guinéen. Un Nigérien peut-il faire ça à son peuple? Voici des Africains qui demandent aux Blancs de venir tuer ses frères africains, parce qu'eux, on les a enlevés au pouvoir. Mais quand on aime la patrie, là, quand on est patriote là, même si on vous enlève injustement, au nom de la patrie, vous ne pouvez pas, parce que quand les Blancs ils viennent frapper, ils frappent dur. Ah oui, s'ils viennent, ils ne vont pas penser, vous voyez, c'est pas leurs parents, c'est pas leur pays. Donc ils ne vont pas penser à dire que non, on n'a qu'à mettre la bombe ici, faut pas mettre la bombe ici. Même Bazoum lui-même risque de mourir dedans, parce que c'est des frappes aériennes, il ne peut pas venir par terrestre, parce qu'ils vont croiser les militaires. Donc ils vont vouloir prendre les avions pour frapper depuis le ciel. C'est la preuve que vous n'étiez pas en train de diriger pour le peuple nigérien. Vous étiez en train de diriger pour votre propre poche. C'est pourquoi vous êtes prêt à ce qu'on tue les gens. Vous êtes prêt à ce que la France frappe. Mais les nouvelles autorités sont déjà informées. Et voilà le communiqué qui est sorti. Ils vont se préparer en conséquence. Même s'il faut appeler Wagner, même s'il faut appeler Poupou, ils sont prêts à faire cela. Parce que c'est la force qui arrête la force. Et on ne va plus se laisser faire. Même si on danse à lier au diable, on est prêt. Parce qu'il faut que la France tombe. Ça fait plusieurs années, plus de 200 ans que la France nous malmène. On est fatigué de la France, chers camarades. On est fatigué de la France. En foi de quoi la présente demande
et délivré pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, co-commandant de la garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi, la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est le droit. Signé le colonel-major Midou Guiré, co-commandant de la garde nationale du Niger. Ok, non, je pense que c'est fini, d'accord. Pourquoi mon communiqué, il faut que c'est fini. On dirait qu'il n'est pas tout mis dans le montage. Parce qu'il y avait encore un autre communiqué. Non, chers camarades, voici un peu les quelques communiqués qui ont été lus. Donc, ça veut dire que les nouvelles autorités sont au courant de la prochaine, de la soi-disant frappe française. Les prochaines autorités ont commencé à arrêter les gens qui sont contre le combat. Les nouvelles autorités ont commencé, ils ont mis en garde les gens qui utilisent l'Internet pour faire les magouilles, les fausses informations et pour fatiguer le peuple du Niger. Et les nouvelles autorités ont remercié les gens qui sont sortis le dimanche et qui ont marché massivement au nom du peuple du Niger. Et les nouvelles autorités se sentent donc soutenues par la population. Par conséquent, l'armée du Niger, mais la totale armée du Niger, c'est pourquoi le gars, là, Roger, là, il a signé au nom du chef d'état-major. Parce que tous ceux-là, ils sont avec les chefs d'état-major. Toute l'armée est derrière le général. Et le général, vous savez combien de personnes il dirigeait quand Bazoum était là? C'est-à-dire que c'est Bazoum qui était au pouvoir. Hein? Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lu l'histoire du général. Oui, quelqu'un m'a expliqué. Je vous dis que je suis en relation avec des gens. Et je veux encore beaucoup d'autres relations. Il y a une dame que je me donne, je vais taire le nom, bien sûr, on ne sait jamais. Elle a pris son temps pour écrire comme ça. Elle dit, il s'appelle tant. Il est né ici. Je n'ai pas retenu le texte, il est quelque part, mais je ne vais pas vous faire lire ici parce que je considère que c'est un peu dans le secret. Hein? Il ne faut pas dire tous les trucs du général, voilà, publiquement comme ça. Mais ce que je sais, c'est que la région où il est né, là, c'est cette région qui était malmenée par les djihadistes. Ça, c'est la première information que vous devez savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, le général, il est vivant. Il est le président du Niger actuellement. Je ne mens pas sur lui. Puisque eux-mêmes, ils ont fait un communiqué pour dire que toutes les personnes qui prennent les réseaux sociaux pour faire les mauvaises informations, on va les créer des problèmes. Donc, sûrement que je ne mens pas. Parce que cette dame, je lui fais confiance. Il y a longtemps qu'elle me donne des choses ici. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, c'est la même dame-là qui m'a donné l'information que Bazoum a été pris lorsque c'était même pas encore trop public et que les gens doutaient. Moi-même, je doutais un peu. Et c'est avéré. Peut-être que c'est à cause de ça, la page a commencé à donner parce que les gens disent que ça, c'est une petite page-là. Quand elle parle là, les choses-là, on dirait que c'est vrai. C'est la même dame qui m'a dit cela, chers camarades. Le général Abdourahmane Tiani est né d'une région qui était malmenée par les terroristes. Voilà. Donc les gens tuaient beaucoup ses parents. Peut-être, c'est à cause de ça qu'il a décidé de libérer son pays. Et quand ils vont finir avec la France, ils vont commencer à mater la rébellion. Ils vont mater le terrorisme. Vous-même, vous allez voir. Et vous allez voir, ils vont les mater même pour les mater. Et le peuple du Niger va les soutenir. Chers camarades. Et d'autres informations que je n'ai pas envie de donner sur le monsieur. Voilà. Donc, il dirigeait 700 éléments. Et il y avait des problèmes. Est-ce que vous savez que Bazoum voulait le remplacer en juillet? Le 26 juin, Bazoum voulait le remplacer. Oui, oui. Parce que ça n'allait plus entre les deux. Le général Tiani n'était plus d'accord avec Bazoum. Parce que Bazoum faisait une politique bizarre. Une politique francophile. Or, lui, il est patriote. Il est du CNSP. Donc, ça n'allait plus. Donc, Bazoum sentait que son élément n'était plus avec lui. Donc, il voulait le remplacer. Mais c'est trop tard. Il a dit non. Il voulait le remplacer. Et c'est trop tard, chers camarades. Vous comprenez? C'est trop tard. Le monsieur a pris ses responsabilités. Donc, il gérait 700 éléments de la garde présidentielle. 700. Ça, c'est lorsque Bazoum était encore là. Hein? Et maintenant, toute l'armée est avec lui. Si vous attaquez le Niger, vous allez attaquer tous ceux-là. Parce que tous ceux-là, ils vont prendre les armes. Quand Bazoum était au pouvoir, il dirigeait 700 commandos de la garde présidentielle. Maintenant, il est le chef suprême des armées. Le premier responsable du Niger. N'allez pas faire tuer les gens, les Français. Restez chez vous. Ne vous ingérez pas, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas Africain, vous n'êtes pas Nigérien. Nous, on est Africains. Et eux, ils sont Nigériens. Nous, au moins, ça nous concerne un peu parce que c'est notre continent. Mais ce n'est pas votre continent.
C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on les soutient parce que c'est ce que nous voulons chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous aussi, on les soutient. Parce qu'ils sont dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, après ça, je pense que Herman le Patriote va quand même prendre un peu de congé de vous. Il y a quelqu'un qui dit, tu mens. Je mens dans quelles circonstances? Par rapport à l'histoire du général, par rapport à mes contacts au Niger. Mais j'ai même fait des captures d'écran, j'ai mis sur ma page, où des gens m'expliquaient, et puis après j'ai supprimé. Parce que je me suis dit, il ne faut pas mettre les noms des gens. Sinon, hier nuit, j'avais fait une capture d'écran, l'explication même de la dame, de la personne qui m'expliquait, puis elle a posté. Mais après, j'ai supprimé. Maintenant, je n'ai rien à te prouver. Je mens, oh, je mens pas. Oh. Il y a 830 personnes qui me suivent. Depuis plus d'une heure, je suis en direct. Il y a encore presque 1000 personnes qui me suivent. Donc, toi, avec ton mensonge, il faut aller nourrir ta famille avec ça. Nous, ici, on ment, mais on préfère se mentir sans tuer. On préfère se mentir et puis soutenir nos frères. Voilà. Donc, je voulais répondre aux frères qui disent que je mens. Voilà. Prends chance à toi avec ton mensonge. Voilà. Regardez, on est en direct. Hein. Venez, vous allez voir. En direct. Hein. Venez, vous allez voir. Oh shit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mettez le cœur! Mettez. Lui qui dit que je mens, la fois, regardez. Ça, c'est le même direct, hein, je suis en direct. Tu vois, non? Maintenant, regarde. Il y a combien de likes? 1000 réactions. Je n'ai pas coupé le direct, hein, réagis. 1000. Tu vois, ici, là, non? 1000 réactions. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat, il est soutenu. Il y a 1000 personnes qui ont déjà réagi pendant que le direct est encore en cours. Peut-être d'ici demain, ça fait encore 8000, ou bien 5000, ou bien 20000. Ça dépend des Africains. Chers camarades, voici l'évolution et l'évaluation de la situation au Niger. Maintenant, vous allez pomper le cœur. Pomper. Chers camarades, allez-y liker ma photo de profil, s'il vous plaît. Je suis avec une Américaine. Voilà, c'est votre gars qui est là. Quand je venais d'arriver aux États-Unis, likez ma photo de profil, s'il vous plaît. La photo de profil, il a vu 50 likes seulement, c'est pas bon. Mettez au moins 1000 likes. Ça, c'est ma photo de profil du combat pour l'instant. Après, elle est changée. Donc, likez ma photo de profil, chers camarades. Après, allez-y, likez la photo, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, likez ma photo de profil. OK? Après, allez-y, likez ça, s'il vous plaît. Voilà. Je vois 2 partages, 12 commentaires et 67 likes en bas de la photo. Voilà. Donc, allez-y, mettez au moins 200, 300, 400, pourquoi pas 1000 likes pour soutenir la page. Pour que la page soit encore plus jolie. Pour le combat. Donc, je voudrais quand même fouiller encore. S'il y a quelques informations que j'ai notées, j'ai sauté. Et allez-y, likez ma photo de couverture. C'est votre drapeau. Voilà. Likez la photo de couverture. Là, j'ai vu quand même 163 likes. 163 likes. Ça, c'est ma photo de couverture. J'ai mis le drapeau du Niger sur la page. Ma photo de couverture. Likez cette photo. Quand vous allez finir le direct, s'il vous plaît, faites un petit tour là-bas. Likez un peu ce qui est là-bas. Pour que ça soit un peu joli. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi ce direct. Je pense que pour aujourd'hui, c'est là qu'on va s'arrêter. Voici l'évaluation et l'évolution de la situation au Niger. Je m'appelle à l'état civil Herman. Je suis un patriote ivoirien. Et un bon patriote ivoirien doit soutenir le Niger dans ce combat panafricain dans lequel nous nous sommes engagés. Donc, c'est mon soutien que j'apporte au Niger. Et je n'ai pas encore terminé. Je ne suis même pas prêt de m'arrêter. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on soit sûr que le gouvernement est fait, le nouveau premier ministre est là, le nouveau président, le nouveau chef d'état-major et que les Nigériens sont dirigés par les Nigériens patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et n'oubliez pas de mettre le cœur. Ok? Voilà, il faut mettre le cœur partout. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous remercie.